chose, quoi. Attendez, je le place bien, de façon à ce que je puisse bien le voir. Je crois que la manette, elle fonctionne maintenant. Elle était enfouie. Voilà, la manette fonctionne, c'est bon. Bon, alors du coup, vous avez remarqué, j'ai essayé de commencer. Donc on va supprimer la sauvegarde. Ok! C'est quoi ce bruit? Oui, bah on va supprimer ça. Ok. Alors vous êtes parti parce que il y a tout. Alors il y a tout. Voilà. Hop. Il y a tout. Ah, non mais attends. Merde. J'ai oublié de mettre les LED. Je vais vous lire en même temps. Welcome to the beautiful city of Neo Cascadia. Did you have a nice monorail ride? We at Cubicle would like to congratulate you on joining the ranks of over 100,000 employees hired through the Impoverished Intern Initiative. As the largest e-commerce corporation in the nation state, we're proud to support the next generation of innovators. It might be hard to believe, but Cubicle started out as nothing more than a great idea from someone just like you. Like so many Neo Cascadian success stories, Cubicle began as a startup, just a couple guys in a garage with nothing but a dream and a modest cash injection. Des riches. That's why we're paying it forward. Since the inception of our company, we've acquired countless startups and provided them with funding and hard workers to help accelerate their success. Our friendly integrated AI has assigned you as a marketing assistant at our latest member of the family, Fizzle Beverages. Famille, hein, comme d'habitude. By inventing a sparkling water that's also a meal replacement, Fizzle cleverly disrupted two industries at once. There's no better place for an intern to grow than somewhere like Fizzle, where you'll never be the smartest person in the room. Ah, sympa. When you're not hard at work with Fizzle, you'll have plenty of time to experience some of the rich Pacific Northwestern culture our great city has to offer. Now, let's go over some ground rules for your internship. First of all, never under any circumstances explore beneath the... Ah, donc on commence ici, hein. Alors, du coup, comme vous avez pu remarquer, je n'ai pas lu exprès parce que c'est. En fait, il y a des sous-titres. Donc, si vous lisez les sous-titres, normalement, ça devrait être bon. Je vous laisse ça, hein. Les sous-titres, c'est pas mal. Je vais juste essayer de cacher le Road to 50 là parce qu'en fait, le truc, c'est un peu trop. Hop, Road to 50. Surtout qu'en plus, il se met même pas à jour. Dane. Je suis deg. Voilà. Donc vous avez compris, c'est un jeu où vous êtes dans la Startup Nation. Et du coup, vous allez voir comment ça se déroule, parce que vu que je vous ai dit que c'était un Dark Souls-like, on va s'amuser. Je sais déjà tout ça en fait. J'ai dû regarder cette vidéo quand j'ai postulé en ligne. Oh, c'est vrai. Alors passons les formalités. Passons et attaquons la partie plus fun. Je parie que tu as hâte de rencontrer un nouveau collègue, Jacqueline. Oh, ça oui, j'ai tellement hâte. Dans ce cas, allons organiser cette petite présentation. Viens, suis-moi dans. Ah, non, pas encore. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Arf. Alors, arf, je sais pas, je sais jamais comment l'exprimer à l'oral, hein. On dirait que ces monstres se sont encore enfouis du sous-sol. Ce serait... J'aurais vraiment préféré ne pas te faire ça pour ton premier jour, Jackie. Alors déjà, je m'appelle Jacqueline. Me faire quoi? C'est une bonne question. Eh bien, nous ne pouvons pas faire notre petite réunion tant que cette chose se balade ici. Donc j'aurais besoin que tu me rendes un petit service et que tu ailles jeter, que tu ailles tuer ce monstre. Ah! On va tuer... Alors, un monstre à deux pattes, hein, je précise. Il ressemble un peu à un humain. Et elle n'a jamais tué personne en plus, Jacqueline. Ce ne sont pas vraiment des personnes. Ah, donc ça c'est... Ok, on est déjà dans le game. Donc là c'est la Startup Nation qui nous déshumanise. On est là. On est là. On est dans la déshumanisation. Voilà. Tu n'es pas encore habitué à la vie citadine. Mais ici, à Neo Cascadia, tout le monde doit tuer son premier monstre tôt ou tard.
Si ça peut aider, tu n'as qu'à faire comme si c'était un jeu vidéo. Imagine leur barre de vie en train de descendre à chaque coup que tu portes. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, il y a le micro qui s'est rebellé et qui est revenu quand j'ai testé le micro. On va peut-être le baisser un petit peu. Hop, est-ce que... Non? Ok. C'est pas grave, vous avez tout fui en bas, du coup. Si ça peut aider, tu n'as qu'à faire comme si c'était un jeu vidéo. Imagine leur barre de vie en train de descendre. Donc ça, j'ai déjà dit. Tu connais les premières attributions en tant que nouvelle stagiaire chez Fizzle Beverage? Donc en fait, on vend du soda. Et on est stagiaire. Donc premier jour hein, du stage, je précise. Je sais pas si vous avez envie que votre stage commence comme ça, je ne pense pas. Déjà, c'est un stage. C'est un boulot... À part entière, apparemment. C'est parti pour la chasse aux monstres. Alors. Eh ben écoute. Alors, si vous n'avez pas remarqué, visuellement, tout est travaillé pour que justement ça rappelle toutes les communications qu'il y a dans les grosses entreprises de la tech. Et c'est fait exprès. Utilisez le stick analogique droit pour déplacer la caméra. Ok. C'est beau. C'est vachement beau. Et c'est plutôt fluide, j'ai l'impression. C'est cool. On peut ramasser. Il y a un petit ASMR de musique de fond. Attaquer. Ah, faut que je vise quand même. C'est un peu fort. Ah, on peut donner des coups de poing. Reviens ici! J'ai une arme particulière. Te revoilà alors. C'était pas si dur, pas vrai? Je ne me sens pas très bien. Je comprends, Jacqueline. On a quelques caisses de fizzle goût anti-acide là-bas derrière. Anti-acide? C'est pas bien. Tu t'es bien débrouillé, Jackie. Merci. Maintenant, il y a encore un léger petit détail dont tu vas devoir t'occuper. Aïe, mes oreilles. Hein? Il faut descendre dans le donjon, tuer tous les autres? Hein? Quoi? Non. C'est hors de question. Il vous faut un genre d'exterminateur, un truc comme ça. Bah ouais. C'est pas compliqué, promis, tu as dégommé celui-ci facilement. Il n'y a sûrement pas plus de 3 ou 4 qui se cachent en bas de ce toboggan. Déjà, t'as un toboggan. Dans ta... Bon, bref. Et en plus, tu veux que je tue des monstres. J'ai dit non, c'est non, trouvez quelqu'un d'autre, j'irai pas là-bas. Consentement. Bon, alors, soit. J'avais de grands espoirs pour toi. J'ai examiné ton CV personnellement. Mais tu n'as pas la motivation nécessaire pour travailler chez Fizzle. Je devrais peut-être demander à Evie de reconsidérer ton poste ici. Eh bien, c'est de la pression sociale, monsieur. Non, attendez. Oui, je vais le faire. Je vais descendre et jeter un œil. Alors, oh, excellent. Je savais que j'avais décelé cette petite flamme en toi, Jackie. Reviens me voir quand tu auras fini de t'occuper de tous ces monstres. Oh, et ne traîne pas en bas. La réunion est dans 15 minutes. Wouah, c'est bien le monde de l'entreprise, hein, j'ai l'impression. On va prendre ça. On peut pas te taper, toi? Non? Ok. Bande d'employés. C'est quoi une bande d'employés? Alors oui, si vous savez pas, il y a aussi donc du coup l'intérieur de et on peut changer de tuteur, on peut choisir un tuteur. Donc par exemple, moi je peux être mon propre tuteur. La compétence épinglée, donc il y aura des compétences, j'imagine. On va choisir ensemble. Et ça, c'est notre CV. Ensuite, il y a des cartes de visite, l'écran titre, hein, comme d'habitude. Examinez-le. Donc ça, c'est les tâches, les paramètres, et voilà. Alors, j'espère que vous appréciez ce jeu, tout en beauté. Peut prendre le clavier à la place. Mais je pense que c'est pas mal d'avoir la masse d'os, là. Ah, il y a le bruit de l'aération et tout. C'est joli. Hein. Ah, on était un peu sous le... Ok. Là, on peut monter aussi. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Voilà. Et donc, j'imagine qu'on va devoir monter les niveaux. Make your dreams fizzle. On peut aller aux toilettes ou pas? Non. Ah, il y a des gens, là. On peut pas rentrer. Ok.
Eh bien voilà, vous avez compris du coup, Mazdos. Ah, du coup, c'est moi qui cache, c'est la caméra qui cache la Mazdos. Si jamais il y a besoin, je bougerai, mais pour l'instant, on n'en a pas forcément besoin. Vous voyez exactement ce que j'ai en main. Du coup, je descends. Jobline, encouragement, embauchement de Rockstar, polissage de canine, armement, allumage des torches. Ah, j'ai perdu ma masse d'or. Ok. Alors, je peux viser les ennemis avec LT. Ok. Tiens! Ok, donc on gagne de l'argent à tuer des gens. Super. C'est bien déjà. Donc, si j'ai bien compris, l'idée du jeu, c'est. Voilà, on va prendre cette arme-là. C'est qu'en fait, les gens sont en burn-out et on se débarrasse des gens. Donc, je sais pas si c'est très fort pour vous de votre côté, mais j'ai l'impression que ça crie du mien. Peut-être enlever un écouteur. Voilà, ça peut être un peu plus agréable pour moi. Et donc, on peut faire une roulade. Ok. Il y a un petit ralenti à la roulade, c'est cool ça. Et on peut tout casser, et ça c'est bien. Mais alors du coup, on use les... On use les... comment ça s'appelle? Ah tiens, c'est quoi ça? Apprenez des compétences pour augmenter votre puissance. Ok. Travail sous pression. Chance de porter un coup critique accru quand votre santé est basse. Les gros projets deviennent plus gros. Alors là, nous, il va nous falloir potentiellement... On va prendre le coup critique parce que on travaille déjà sous pression. Hein. Donc on va prendre ça. Je peux acquérir. Et du coup, je dois passer par ici pour mettre le. J'imagine. Non, elle est déjà acquise. Ok. Donc voilà, en fait, c'est des gens qui sont en burn-out. Et en fait, c'est toute une allégorie. Enfin, une allégorie. Ah mais j'ai déjà tout. Alors raquette de ping-pong c'est pas mal aussi, mais j'aime bien le petit pic. Oh! Une arbalète, moi je veux l'arbalète. Donne-moi l'arbalète. Voilà. Comme ça on a une arme à distance. Ouais en fait Ah ouais non mais du coup il faut utiliser. On va prendre la masse d'armes pour ça. Il y a des niveaux en fait sur les armes. Ah tiens, il y a une masse là-haut. Vite. On peut pas avoir la masse là? Il y a une agrafeuse là. Ouh là là, il y a plein de choses. On peut pas casser ça? Comment je récupère la masse là-haut? Non. Ah, alors là, vous... Ah mais du coup, faut que je dépasse un peu la cam. Alors attendez. Je vais déplacer la cam. On va mettre une pause. Je vais déplacer la cam. Hop. Hop. Je vais la monter juste. Là, c'est bien. Là. Comme ça, vous voyez un peu ce qu'il y a en dessous. Du coup, ouais, l'idée, c'est assez simple. Hein. C'est genre, on prend les trucs et on se barre. Hein. Donc, du coup, l'histoire, c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu ça. C'est genre, les gens sont en burn-out et en fait, nous, on est stagiaires et on sent obligé de devoir se débarrasser. Donc, on va voir s'il y a une suite à ce que j'ai compris dans le synopsis. Non, mais on va changer. Voilà. Aïe. Est-ce que ça brûle ou pas les... Je sais pas. Non, j'ai pas l'impression que ça m'a brûlé. Hein. Ah oui, j'ai de la vie, j'avais pas remarqué. Je peux lancer, c'est vrai. Ah non, apparemment... Attendez, attendez. Ah, le critique, il joue bien. Ah oui, on peut changer de cible. Voilà, comme ça c'est pas mal. J'ai fait les deux en même temps.
Et j'ai plus d'armes du coup. On va prendre ça. Ça c'est quoi ça? C'est un Job Witch. Bon, on va prendre le Job Witch. Oh, hop, ça donne de la vie. C'est bien ça. Et la balle de yoga. Mais oui, bien sûr, la balle de yoga. On va taper avec la balle de yoga. On peut faire une attaque. Ah. Au vu de la pause toilette, inacceptablement longue prise par les contractuels, à partir de maintenant, tous les sièges de toilette sont inclinés à 45 degrés pour encourager. Je sens quelque chose. Je sens un blocage de la productivité. Salut, c'est vous le boss? J'ai été envoyé ici pour vous faire savoir que, en fait, vous n'êtes pas vraiment supposé être. Nous n'avons pas le temps pour les interruptions. Pas à ce stade du travail. Contractuel, éliminez cette menace contre-productive. Ensuite, nous reprendrons notre synchronisation quotidienne. N'essayez pas de vous défiler. Aux toilettes après la bataille, je vous surveille. Oulala. Ah, j'ai. C'est compliqué. Oulala. Ah, je suis mort. Tué par des contractuels. Je crois que j'avais pas les bonnes armes. Clairement, c'est compliqué. Merci d'être venu à notre petite réunion du jour. C'était obligatoire. Alors bon, merci Marette. Et tout d'abord, je voudrais vous présenter notre nouvelle stagiaire. Faites du bruit pour Jacqueline Fiasco! J'arrive. Je suis là. Je suis en retard? Une nouvelle recrue? C'est pas vrai. Le budget est déjà assez serré. Je crois que Mademoiselle Fiasco n'est pas payée. Faut être payé, madame. Oh, Dieu soit loué. Oui, soyez payé pour vos stages, s'il vous plaît. Jacqueline, pourquoi ne pas briser la glace en te présentant un peu? Commence donc par ton nom, ton parfum de fizzle préféré et le rêve qui te tient le plus à cœur. Tu viens de nous de dire son nom. Reste cool, Cara. Je pense que mon parfum préféré, fizzle, c'est abricot du Sichuan. Du Sichuan. Et je rêve d'avoir un jour une assurance maladie. Waouh, la dépression en vrai. Oh, quel choix de parfum audacieux, je l'aime déjà. Ah non, mais j'avais oublié que c'était en fait la Startup Nation, c'était ça. Jackie est ici. C'était quoi déjà l'annonce? Du marketing. Exact, un stage de marketing. Et elle sera en stage avec qui alors? Je croyais qu'Alvi se chargeait déjà de tout notre marketing. Essaye de voir plus loin, car l'obstinance conduit à l'obsolescence. Ça veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'un réseau neuronal de pointe gère tout notre marketing et toutes nos relations publiques qu'il n'y a pas de place pour une touche d'humanité ici et là. Bien dit, patron. Ferme. C'est quoi? C'est quoi l'obstinance? Oui, c'est ça. Quant à cette attribution, je suis sûr qu'Avi trouvera toujours bien quelque chose. Jusque-là. Ah non, c'est E-vie. J'imagine que c'est une vie. C'est l'IA. Jusque-là, votre Jackie comme notre petite assistante personnelle. Si vous avez besoin d'aide sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à lui demander. Eh bien, d'accord. Je dois avouer que ce serait formidable d'avoir quelqu'un pour goûter mes nouveaux parfums. Et j'ai toujours besoin de quelqu'un pour m'épauler avec les finances sur la boîte. Oui. Ouais, allez, je suis partante. Moins on dépendra des machines, et mieux ce sera. Même moi, je vais lui dire quoi faire. Cool. Ravi de vous rencontrer tous. Voilà l'équipe chaleureuse que je connais, que j'adore. En parlant de ça, et si on terminait cette petite réunion avec le slogan de notre entreprise? Quelle bonne idée, patron! Que faisons-nous? Du fizzle! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça remplace le petit déjeuner, le déjeuner et les dîners. D'accord, je vois la liaison directe avec un truc qui s'appelle feed. Pourquoi on le fait? Vu. Ah, ouhouhou. Allez les gars, vous le connaissez en plus. Vu. C'est pour rendre le monde meilleur. Ah oui, c'est vrai, comment j'ai pu l'oublier? En général, ils le connaissent bien. Mais on est lundi, alors bon. Nous sommes comme une famille ici. Jackie, tu t'en rendras vite compte. J'ai tellement hâte. Eh bien voilà, ce qui conclut notre réunion du jour. Passez une bonne journée de travail. Et du coup, là, je cache Jackie, en fait. Bon, c'est moi, Jackie. En fait, quand il faudrait que je switch, il faudrait que je récupère. Donc, du coup, bonjour.
Alors, tu y es arrivé? Arrivé où ça? Tout en bas. Et en bas du donjon, là où se trouve le boss. Est-ce que l'air d'y arriver... Est-ce que j'ai l'air d'y être arrivé? Je me suis carrément fait botter les fesses. Je vais être franche. Je ne pense même pas que c'est possible d'aller aussi loin. C'est pas bon. C'est pas bon ça, Jackie. Il va falloir que tu sens, tu penses de manière plus positive, si tu veux progresser. Vous ne croyez pas que quelqu'un d'autre serait plus qualifié pour ce job? L'annonce parlait du stage en marketing, je ne suis pas faite pour affronter des monstres. C'est pas faux. Je n'apprécie pas plus la situation que toi, Jackie. Mais avec ces gobelins qui débarquent sans cesse des profondeurs pour voler notre matériel, on n'arrivera jamais à atteindre nos objectifs. Occupe-toi de notre petit problème de monstre et tu rédigeras des articles sur les réseaux sociaux en moins de temps qu'il n'en faut pour daber. Je sais pas quand il est sorti ce jeu, mais je crois que c'est vraiment longtemps après, en plus. Ou quoi que vous fassiez, vous les jeunes. Bon, je suppose que vous voulez que je retourne, que j'y retourne. Tu supposes bien. Accroche-toi, Jackie. Tu auras fini cette mission avant même de t'en apercevoir. On prend la corbeille à papier, on va taper avec la corbeille à papier. Bon, du coup, on va peut-être chercher un tuteur. Tu es la programmeuse de la boîte? Alors attendez, je vais cacher la caméra quand il y a des discussions. Ça peut être cool. Non? Ah oui, non, mais en fait, à chaque fois. Ah ouais, non, mais j'ai pas de stream deck, donc du coup, c'est chiant. Oh! Attendez, je vais revenir à zéro du coup. Non, on laisse comme ça, c'est pas grave, je suis à côté de Jackie. De toute façon, c'est moi qui joue Jackie, hein. Faut le dire. Ingénieur en chef, tu aimes les ordinateurs alors? Qui t'a dit ça? Je vais lui faire regretter. Ok. Bonjour le chien. Waf, 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 waf. Waf, waf. Bonjour. C'est comment d'être comptable chez Fusol? Oh, tu sais, la routine. Je fais les comptes. Je dis à Marv qu'on a dépassé le budget, Marv le dit à Ray, Ray l'ignore et l'on recommence. Ça marche plutôt bien pour l'instant. Je comprends. Ah, ça a l'air d'être plus animé hein, là-bas. Ok, du coup, il nous faut. En fait, ce serait bien qu'on prenne un ordinateur. Il y a quoi? 3 niveaux, 4 de niveaux pour ça et le cube de Félix, on va prendre. Félix? Ferme! Tu es ferme, c'est ça? Exact, je suis le directeur des arômes. Trop cool. Alors vous inventez les nouveaux parfums de Fusol, c'est ça? C'est génial. C'est bien plus stressant que l'on peut ce que l'on peut imaginer, Jacqueline. Mais je le fais pour l'art des arômes. Oh. C'est toujours pour l'art. Ce grand écran là, il est niveau 6. Ah, c'est pas mal. Mais il a l'air lourd. Ouais, on bouge un peu difficilement. On va prendre le clavier, c'est peut-être mieux le clavier. Ah oui, donc du coup, les flèches, ça permet de savoir s'ils sont plus puissants ou pas. Le clavier est pas mal. Je pense que le clavier, on peut s'en sortir bien. Et là-bas, il y a la suite, j'ai l'impression. Ok. Bon, bah, on est parti, hein. On va essayer de battre le boss. Ça a l'air un peu compliqué. Je sais pas si on va y arriver. Hein. Attendre le dernier. Ouais, et vaincre le boss, ok. Parce qu'en fait, y a quand même du people, hein. Premier niveau, tu commences direct comme ça, c'est dur. C'est vraiment du Dark Souls, hein. Je pense qu'il faut augmenter des compétences, mais... Et j'ai rien de ce qui était en haut, donc peut-être qu'il faudrait que je prenne les cactus là. Et le mug. On va prendre le cactus déjà, qui est niveau 5. On va prendre un deuxième cactus qui est niveau 5. Et le mug qui est niveau 3. Allez, c'est parti. Ah, il est en feu! Ah, mais il est mort. Niveau 4. Niveau 4. Niveau 5, ça c'est pas mal. On va prendre les couteaux. Hein. La raquette, elle est nulle. Niveau. C'est quoi? C'est niveau 5 aussi? Bon, on va garder les. On va garder ça, on va voir si c'est intéressant. Après, je pense que ça va jeter, non? Bon. Les crânes, ils sont à un niveau combien? Hein? Ah, le brasero, c'est cool ça! Mais ça fait niveau 1 par contre. Je peux foutre le feu par contre. Ça, c'est cool. Le brasero, ça a l'air marrant. Ok, d'accord. Bon, ouais, c'est parti, on va voir. Ah, il y a le pin là-bas. Ah, niveau. Ah oui.
Grosse plante. Niveau 7. Peut-être qu'il faudrait que je prenne les trucs et que je les jette dans la tête et que j'ai l'habitude de le faire. Ok. Ça, c'est quoi, ça? Un stylet. Niveau 4. Ah, on est chez les DA. Bon, on va aller du côté de l'étiquette. Ah, on peut acheter des trucs. Ok. Donc, par exemple, là, je peux acheter ça, si je veux. Bon, on va acheter ça. Comme ça, ça me donne de la vie. Je suis à 3-3. Et là, c'est quoi? Ah oui, donc du coup, on peut acheter des trucs, meilleure défense et tout. Inapprochable. Je suis à niveau... Je suis à 30... à 3, là, seulement. Ah, mais ouais, il y a tout qui est caché. Il n'y a même pas les vies. Bon, alors, attendez. Petite pause. Hop. Si je fais ça, par exemple, si je cache ça, ça vous choque ou pas? De toute façon, les heures, on s'en fiche un peu à son coup. Et on va cacher ça. On va revenir sur le truc et on va jouer. Comme ça, au moins, on est un peu plus... En fait, faudrait que j'ai un stream deck si j'ai envie de m'amuser comme ça. Mais... Donc ça, c'est quoi? Une agrafeuse? C'est niveau combien, ça? Niveau 2. Ah, je pourrais envoyer des agrafes. Et j'en ai 12. C'est un truc à distance, ok. Bon, on va d'abord, on va tester un peu le tout. Aïe. Ah oui, j'ai été poignardé dans le dos. Aïe, aïe, aïe. Je prends cher. Comment qu'on lance déjà? Ah oui. Voilà. Ah mais à travers le tableau! T'es sérieux? On va aller là. On va pas là. On va là. Ça c'est un truc à armes. Ah oui d'accord. Regagnez votre sorte perdue en tuant rapidement le dernier monstre qui vous a touché. Mais ça c'est pas mal ça. Si vous mangez votre force augmente pendant un temps. Bon, on va prendre ça. Ça a l'air pas mal le balai. Mais le problème c'est que j'ai cassé le balai. Voilà, hop, c'est bon. Compliqué hein. Mais après il est niveau 3 le balai. Nouveau boulot disponible. C'est quoi le boulot? Triompher rapidement des ennemis. Quoi? Je me suis fait piquer par le truc! Interne mercenaire. Mec, c'est un stagiaire, c'est un interne. Soif de revanche, progression. Ah oui, donc ça me permet de gagner des points. Du coup, il faut que je recommence à chaque fois. Ah, c'est pour ça que c'est un Dark Souls. Ok. Bon, alors j'espère que vous appréciez, hein, parce que je me fourvoie, là. Et après, je peux discuter encore avec les gens. C'est qui la bonne fifi? C'est une femelle ou un mâle? On s'en fiche un peu. Oui, bah oui. Mais c'est un peu... c'est une femelle, oui. C'est qui la bonne fifi? Waf waf. Ok, super. Et la stagiaire, viens par là. Qu'est-ce qui se passe? D'où est-ce que tu viens? C'est Avi qui t'a recruté? Je ne crois pas. J'ai juste rempli un formulaire en ligne pour un stage en marketing. Bah, bonne chance alors. À moins que tu ne veuilles dépoussiérer les puces d'Avi, tu pourrais pas beaucoup... Tu ne trouveras pas beaucoup de boulot dans ce département. Bah, c'est bien. C'est cool. Bah, de toute façon, on a un truc à faire. Qu'est-ce qu'une demoiselle doit faire pour avoir un vrai café ici? Tout ce qu'on a, c'est du fuzzle, goût café. Un demi-verre de ce machin, et je me sens bâillonné. Je sais que tu as une nouvelle ici, donc je suppose que tu ne pourras pas me trouver une machine à expresso pour mon bureau. Ça doit être faisable. J'ai l'impression qu'ils boivent beaucoup de café dans le donjon. Le donjon? Oui, le donjon sous le bâtiment. Je comprendrai jamais les expressions de ta génération. Ramène-moi une machine à expresso, avant que je tourne de l'œil. Ok? Ok, bah ça c'est bien. On a une petite, un petit truc à faire. C'est quoi cette tête d'enterrement? C'est juste que tout ce que je fais depuis que je suis arrivé, c'est tuer des gobelins. J'espérais que mon stage en marketing comportait un peu plus de marketing. Et un peu moins de monstres. De meurtres. Eh bien, c'est là toute la beauté des stages. On ne sait jamais ce qu'on va devoir faire à chaque fois qu'on arrive. Ou quelles armes on va devoir manier. Oh. Ou quels monstres je vais devoir affronter. Exactement. Tu vois? Tout ce qu'il te faut, c'est un changement d'attitude. Ah. Salut Fern, Jacqueline, pas la stagiaire que je voulais voir.
Tu me cherchais? Oui, en effet. Et oh, j'ai justement cette nouvelle recette avocat cajun, oula, sur laquelle je travaille, mais personne ici ne veut goûter. Ouais, je vais passer mon tour, je suis plutôt du genre durian à la teriyaki. Ouh là là, les goûts et les couleurs, hein. Ouh là là. Eh bah écoute, on a fait le tour des gens. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut parler là-bas. Ah oui, c'est lui. Ah, c'est le barman. Salut, moi c'est Jackie. Yo baby, moi c'est Marette, mais te fatigue pas. Marais, comme un marécage? Bah en fait, un marécage ne contient jamais aucun végétal. Boisé, par définition. Alors qu'un marais peut accueillir. Ouais, ok, un marécage n'a pas de bois et peut accueillir et les marais ont des arbres. Mais ouais, c'est presque pareil, sauf que ça c'est écrit avec ET. Ravi de rencontrer Jackie. De te rencontrer, Jackie. On devrait se faire une bouffe. Ouais, d'accord. Ça fait un peu. Ok. Tu as déjà essayé de mettre le feu à des trucs juste parce que tu t'ennuyais? Oui, tout à l'heure. Non, c'est assez marrant. C'est un bon moyen de libérer une colère refoulée. Ça ne veut pas dire que c'est mon cas. Je ne sais pas trop, ça a quand même l'air dangereux. C'est ce qu'on pourrait croire, mais ça va. Beaucoup mieux quand on connaît l'astuce secrète. Le secret de ne pas rester dans les flammes. Ah ouais, j'y aurais pas pensé, tiens. La prochaine fois que tu descends dans ce donjon, tu devrais essayer de prendre une de ces grosses torches et de te balader avec. Et voilà. On a essayé de la prendre tout à l'heure. Tu vas pas le regretter, promis. Eh ben merci. Mettre le feu à tout un tas de trucs, mais oui. Alors du coup, on a des quêtes. Ok, pour l'instant, on n'a pas les tuteurs. Donc il faut que je fasse. Le dernier. Alors, Joblin, il veut que j'arrive à la fin. Acheter une machine à expresso, bah ok. Mais du coup, j'ai pas d'argent. Combien j'ai d'argent là? C'est où mon argent? On verra en bas. On verra en bas. Allez, c'est parti! Asticage de poignée de porte. À l'image des torches. Alors, juste au-dessus, là, derrière ma caméra, il y a le nombre de salles. Il y en a 4. Avant le boss. Donc, on va s'équiper. Non! Non, ça, là, là. Ouais, c'est cassé direct, wesh. C'est un truc de ouf. C'est bon? Là, on a perdu rien. C'est bien. Bon, l'écran, non. Du coup. La graffeuse, ça peut être pas mal. Non, attends, faut que je m'entraîne. Mais non, mais ça, c'est lancé. Je suis bête. Ok. Il y a une deuxième alarme, super. Bon, on va du côté des étiquettes. Ah ouais, c'est 60 balles le café. Et j'ai pas de thune, donc bon, salut, hein. Oh, ça rebondit, c'est trop bien. Voilà. Voilà, on s'est pas fait toucher, c'est cool. On va prendre ça. Ça fait deux. Peut-être qu'on va changer ça par ça. Non, ça c'est nul. Et y a un couteau là-bas. Couteau en plastique. Ça sert à rien. Bon. Bah, c'est parti, hein. Voilà, c'est parfait. Cube suspect. Je l'ai lu à la fin, je suis choqué, mon Dieu. J'aurais dû me douter.
Ouais, le clavier il est pas mal. Bon, alors j'ai pas trop compris, mais j'ai l'impression que ça peut servir le. Il y a la graffeuse encore. Mais je pense que le truc, le ballon de yoga, il a l'air de rebondir, donc c'est cool. Donc là, il y a un nouveau niveau. Alors attendez, c'est quoi déjà les trucs? Faut que je foute le feu, mais j'ai rien de comme feu en fait. C'est quoi le job là? Ça part en vrille. C'est bon ou pas? C'est validé ou pas? Ok. Ouh! Ok. Bon, ça m'a grave aidé en fait, la balle de yoga, mais le problème c'est que. Non, on va arriver à la fin, non? Alors, ça c'est quoi? Intimidation, possibilité de renverser les ennemis en entrant dans une pièce. Ça c'est cool ça. Bouger et attaquer plus vite. Ah, c'est tendu celui-là. Moi, j'aimerais bien juste qu'il soit en incapacité dès que j'arrive. Ouais, ça serait pas mal ça. On va voir. On va voir ce que ça donne. Mais il y a rien. Ouais, moi je préfère l'autre. Hein. Au moins, on peut l'utiliser comme une arme un peu plus intéressante. Ah! Grand cactus en pot. Ça a l'air plus compliqué. Mais par contre, ça fait des kills. Bon. C'est pas par là qu'il fallait aller? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je descende. Ah oui, d'accord. Ok. Donc ça, c'était encore à un niveau là. C'est des cafés explosifs. Ok. On ne peut pas utiliser ça pour casser ça. Revenez à la charge après une défaite. Oh, c'est pas mal ça. On peut utiliser ça aussi. Voilà. On peut tout utiliser. C'est trop bien. Ah, j'ai oublié le clavier. Oh là là. Donc c'est pas exactement le même que le début, hein. J'ai l'impression que c'est un peu randomisé. Bon, ça c'est bien ça. Ouh là là. Ouh là là. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ouais, c'est un peu plus compliqué à gérer ça, par contre. Ça part en vrille. Eh, je peux acheter le. Je vais peut-être acheter ça. Pour manger. On va parler avec lui. Quelque chose t'intéresse? On traînasse par ici. Vous n'allez quand même pas m'attaquer, hein? Pourquoi je te ferais ça? C'est mauvais pour les affaires. Exact. Moi, je veux une cafetière. Tu me donnes une cafetière? Wow!
Alors, j'ai vu le truc de Joblin arriver, mais je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un truc que j'ai oublié de faire. Mettre le feu à un tas de trucs. Bah ouais, le truc, c'est qu'on peut pas vraiment... Ah, mais ça, c'est une cafetière, ça! Merde. J'ai cassé la cafetière. Ah, non, du coup, on a une masse. On va prendre le magot. Ça va plus vite. Ah! La meilleure défense contre les conversations indésirables, c'est pas mal. Votre premier coup critique sur un ennemi vous donnera 1$ ou 2. Chance de critique augmentée. Ouh là là, si j'augmente mes critiques, ça peut être pas mal, hein. Bah ça, c'est pas mal aussi. Mais je sais pas exactement. On va prendre ça. Ah oui, d'accord. C'est cool. On commence à bien s'équiper. Voilà, on va foutre le feu. Voilà, on a foutu le feu. Et ça compte à combien là? On voit pas. Seize sur 30, 17. Ok. Là, on a des trucs, ok. De toute façon, je vais pas les utiliser, donc on va foutre le feu là partout. Hein. Écoute. Je peux pas faire flamber les cactus? Ok, c'est pas grave. J'ai envie d'aller aux toilettes. J'aurais pas dû boire autant. Bon, allez, on attend 2 minutes. On fait ce job, on fait cette salle. On va voir comment ça se débloque là, le premier job fait. Il en reste 5. 4. Ah, faudrait pas faire flamber le... J'aimerais bien qu'il fasse pas flamber. Qu'il fasse flamber juste ça, mais je sais pas s'il va faire flamber le balai. Allez, on va voir. Ah si, ça fait flamber le balai. Et voilà, c'est bon. Bon, on fait la salle. C'est bien, hein, franchement le balai est cool. Le balai est cool, le truc que j'ai récupéré est cool. Ah bah oui, chercheur d'emploi, je veux bien. Et on a de la vie. Ok, on fait une petite pause ici, je vous laisse sur le CV, je reviens d'ici 3 secondes. A tout de suite. Je crois que j'aime bien le jeu, moi, perso. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime bien. Ouais, c'est parti. Alors. On a un chercheur d'emploi. Je sais pas à quoi ça sert, mais je sais pas comment si on s'en sert. Ah, il y a le boss déjà ici. Il y a un truc, il y a un mini-boss peut-être.
Oh là. Aïe, ah oui, il repère les gens. D'accord, c'est ça. Ah oui, d'accord. C'est pas mal comme truc. Mais casse-toi là avec ta musique de l'enfer. Ah oui, du coup, c'est une tête à chercheuse. Si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Ah, il y a un truc là, un cubicule à casser. Normalement, j'aurais pu utiliser ça. Et du coup, en fait, moi, dans le... Voilà, acheter une machine à expresso, j'ai... Bon, du coup, on n'a pas trouvé encore d'endroit où acheter. Hein. On est peut-être ici, là. Ah non, mais ça, c'est la suite. Faut que je revienne en arrière. Ok. En fait, c'est dangereux si je m'approche du... Bonjour. L'entrepreneur, ok. Tiens, tiens, je vois que tu as réussi à venir jusque dans mon humble garage. Sans vouloir vous enfoncer, je crois que tout le monde a compris le coup du marchand énigmatique. Montrez-moi ce que vous avez à vendre que je puisse sortir d'ici. Ah, en voilà une bien importante. Impatiente. Dépenser ton argent, c'est vraiment très bien, mais tu sais ce qu'il y a de mieux que les objets? Le savoir. En fait, je suis plus fier de ma grande collection itinéraire. Littéraire plutôt, que je ne pourrais jamais être de mes biens ou de ma belle voiture. Mais vous vendez bien des trucs ici, non? D'une certaine manière. Cependant, le prix sera sûrement plus élevé qu'une simple monnaie. Donc là, par exemple, je peux acheter ça. Ok. Se concentrer aura des effets glaçants. Ok. Comment on passe de l'autre côté de sa voiture? J'essaie de sauter. Hein. On peut pas sauter. On peut pas sauter. Eh bien écoute, machallah, j'ai envie de te dire. Hein. Ok, salut. Moi j'ai pas envie, hein. Si j'ai envie de. Si je perds ma vie en plus en même temps que je glace des gens, c'est super. Attends, je vais reprendre mon chercheur d'emploi, c'est bien ça. Il est 4h50. Eh, c'est le fond d'écran le truc, ok. Aïe, aïe, c'est moi? Ou c'est lui? Dérapage dans ta tête. Ok, super, merci. Qu'ils y viennent, ça fait quoi? Il est où mon chercheur d'emploi? Ah, mais on peut prendre ça? Attends, attends, on peut prendre ça. Ah oui, d'accord. Ah mais j'ai déjà un truc de... On va prendre le truc à distance, c'est mieux. J'ai déjà un truc... Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh c'est dangereux ça, pourquoi ils m'ont donné ça? Parce que moi je vais faire des galipettes tout le temps en plus. C'est un quoi, mourir? J'ai plus de vie là. De toute façon j'ai un truc là pour la vie je crois. Faut qu'on arrive au marchand. Je sais pas si on va y arriver. On est troisième étage là. Il nous en reste un. Ah, j'ai pris le stylet, j'ai pas pris le chercheur d'emploi. Non! Et là, j'ai pris un tabouret, c'est nul. Bon, on revient à ça, du coup. Quel est mon job?
Non! J'ai cru que la bombe elle allait sortir là, mais non! En fait, c'est une fois sur combien? N'a pas su répondre aux exigences, mais je vous permets pas! Je vous permets pas du tout! Aïe aïe aïe! Bon, on a mis le feu. J'aurais pu mieux jouer quand même. Bon, après, j'ai gagné des points apparemment en compétences, mais du coup, dommage. Yo baby! C'est l'éclate dans ces donjons, pas vrai? Non, pas vraiment. Je ne pense pas que ce soit le mot que j'emploierais. Peut-être que tu ne les approches pas de la bonne manière. Tu récupères les trucs gratuits et dans les cafés. Gratuit? Il n'y a rien de gratuit dans les cafés. Mais ah, quoi? Ne me dis pas que tu payes leurs trucs comme une neuneu. J'ai une technique spéciale pour avoir des trucs gratuits. J'appelle ça pas vu, pas pris. En gros, voler, tu les voles, quoi. C'est plus nuancé que ça, baby. Prochaine fois que tu iras dans un donjon, fais-moi signe et je te dirai. Ok. Donc il va peut-être nous donner des compétences. Quand vous équipez Marette, il volera au hasard un objet du café pour vous. Ok, c'est cool ça. Donc du coup, en fait, si je prends Marette, par exemple, en tant que tuteur, tu as l'air d'être très... Donc du coup, si je finis ma phrase... Mais quand on prend Marette en tant que tuteur, je suppose qu'on a la possibilité de voler quand on arrive et tout. Mais du coup, on peut changer de tuteur ou pas? Ou est-ce qu'on est obligé de le garder pendant tout le donjon? Eh bien, l'annonce ne mentionnait pas trop les conditions de travail de chez Cubicle. Et qu'est-ce qui ne va pas avec Cubicle, jeune fille? Je crois avoir lu quelque chose en ligne à propos des violations du code du travail. Ou alors c'était des violations des droits de l'homme. Je crois que c'est les trois. En tout cas, c'était des violations de quelque chose. Ne me dis pas que tu crois tout ce que tu lis sur Internet. Je te croyais plus intelligente, Lucky. Nous devons presque tout à Cubicle ici. S'il n'était pas aussi généreux, Filzel aurait coulé depuis bien longtemps. S'il n'était pas... Ouais, bon. Et en plus, tu ne travailles pas vraiment pour Cubicle. Tu travailles pour la merveilleuse et unique Fizzle Beverage. Désormais, filiale de Cubicle. Essaye de voir ça et de cette façon. Tu sais quelque chose sur Joblin, Fern? Pas vraiment. J'en ai peur. Mais Raymond a toujours admiré leur fondateur. En fait, je pense que c'est Joblin qui l'a inspiré pour la création de sa startup. Depuis que Joblin a été rattaché par Cubicle, il me disait que c'était son rêve de faire pareil. Joblin appartenait aussi à Cubicle? Eh oui. Comme la plupart des startups à succès dans le coin, Cubicle est responsable des financements d'un nombre ahurissant d'innovations dans l'État-nation néo-cascadien. Ok. Bon, ça, c'est bien ce qu'on se pensait. Ah, mince, mauvaise caméra. Tu fais quoi, le stagiaire? Je tue toujours des monstres. Mais Mar m'a dit qu'il allait avoir avis pour me trouver un vrai poste après ça. C'est moi qui ai placé la caméra comme ça. Tu veux un bon conseil, Jackie? Apprends un peu à coder pendant ton temps libre. Marv t'a envoyé dans un cul-de-sac. Mais je déteste le codage. On est deux. Mais on fait ça, on fait ce qu'on doit faire. C'est le monde des robots maintenant. On fait ce qu'on. On fait que vivre dedans. Ok. Donc excusez-moi pour la caméra. Bonjour le petit chien-chien. Waf! Coucou ma belle. Comment ça va? Kara te sort assez souvent? Waf waf! J'imagine que waf waf ça veut dire oui. On n'a pas ton café, hein. Salut Jackie, salut Tapi. Comment ça va les chiffres et tout? Ça va. G, tu as une tête de déterré. Bof, je me casse les dents sur ce donjon et on dirait que rien ne marche. J'ai beau essayer, je me fais botter les fesses avant d'arriver en bas. Ce sont des métaphores ou... Non, 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 c'est exactement ce qui se passe. C'est où que j'ai validé mon feu là? C'est lui là? Hey baby, je parie que ça devient lassant ce donjon. Hein. Notamment, pas encore. On dirait que. Notamment, non. Étonnamment, non, pas encore. On dirait que ça change à chaque fois que j'y vais. C'est vrai. C'est vrai que c'est quand même le bazar. Mais ne va pas t'emmener bien loin. Mais même le hasard ne va pas t'emmener. Ok. Une fois que tu as vu un certain nombre de possibilités, même des circonstances techniquement différentes peuvent devenir similaires et ennuyeuses. Quand tu as fait une pièce remplie de types armés, de lances, tu les as toutes faites. Tu me suis? En tout cas, j'ai une idée sympa que tu pourrais tester là-bas. Essaye donc, baby. Rouler sur une voiture avec ta voiture. Ok. D'accord. C'est qui déjà que j'ai bloqué? Ah, mais en fait, c'est bon. Ah, parce que peut-être que je finisse le truc. C'est ça? Non. Je crois que j'ai déjà gagné des trucs. Hein. Bon, on y va. C'est parti. Oui!
On va y arriver, hein. Mais c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici? On va prendre ça, comme d'habitude. C'est quoi ça que j'ai pris? Non, c'est. Ah, c'est trop grand! Bon, la corbeille à papier, d'accord. Et la tasse? La tasse? Elle est à tête chercheuse, la tasse? Bon, on m'a jamais dit. On peut prendre la voiture, du coup. Ok. Vous avez vu ce que le mug a fait? C'était beau, hein? On va prendre la voiture. Sais pas comment ça, comment on passe ici. Ouais, on fait ça. Oh! J'ai pas fait gaffe. La voiture n'est pas trop mon style. J'ai l'impression. On dirait qu'elle va exploser. Ouais, c'est ça. J'ai bien fait de sortir, purée. Je vais prendre la lance, voilà. Du coup, on va là. Hein. Le colis de cubicle contient un objet en plus. Ok, c'est pas mal. Sortez de la catégorie poids plume. Bah ouais, moi je veux bien. Est-ce qu'elle était de la catégorie poids plume déjà? Parce que ça avait pas l'air. Hein. Ok, là on est passé. Ah oui, d'accord. Oh là là. Ouais, c'est compliqué. Alors rapidement, c'était pas vraiment le cas, hein. Du coup. Non mais c'est sérieux de me donner un stylet, hein? J'ai pas l'impression que le stylet. Ah oui, parce que c'est vrai que là, le cactus, là, il est efficace, hein. Alors je sais pas si comment ça se fait que je l'ai dans la main comme ça, mais on va dire que c'est bon. Alors attendez, je vais équiper. Je peux équiper notre marrette nationale, là? Ah, j'ai aucun. Ah, faut que je le fasse dès le début. Bon. Ah, j'ai pas assez de thunes. Je suis pas du tout d'accord. Bon, salut. Ah, mais j'ai besoin de vie en fait. Ah, c'est pas mal ça. Bon. Ça suffira. Hey, c'est niveau 8 hein, quand même ce truc. Hein. Oh là là. On va prendre ça. Alors là, il a l'air d'avoir pas mal de trucs. Hein. Voilà, elle a pas visé, hein. Oula. Votre premier coup critique sur un. Ah oui, ça se peut. C'est bien ça. On va prendre. Mais en fait, je crois qu'on n'a pas les mêmes compétences. Ouais, c'est ça, ça change à chaque fois. Ok. En fait, c'est une sorte de. Comment ça s'appelle? C'est pas un Dark Souls en fait, c'est un. Comment s'appelle le jeu actuellement là?
Un Isaac, un peu. Un truc un peu un donjon algorithmique, quoi. Avec du de la randomisation partout, que ça. Jobline. Alors, attendez. Hop. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? C'est animé niveau, ça? Non? Non. Oh, la voiture, j'avais oublié. Je vais rester là. Oh là 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 là, c'était dur ça. C'est dur ce qui s'est passé. Je peux le faire flamber le pieu. Hein. Pas l'impression. Je peux prendre ça? Il y a une punaise ici. Ah d'accord. Bon, du coup non. On va prendre la voiture. Hein. Ah ouais, non mais attendez. J'ai la voiture, d'accord, mais... Okay. Elle prend des coups de ouf, hein. Faut faire attention. Hein. Oh là là. Invulnérable un peu plus longtemps après chaque coup reçu. Ah oh, oui, il y a une invulnérabilité, ok. Je veux bien de la vie. En fait, le problème, c'est que... La vie... On va prendre ça, hein. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, ça me donne... Ça me fait perdre trop de possibilités d'acheter En fait, ça me donne trop la possibilité de ne pas pouvoir acheter la cafetière si on la trouve. Du coup, rancune inflige temporairement deux fois plus de dégâts quand vous prenez un coup. C'est pas mal. J'ai perdu l'épée? Mais pourquoi? Ok. Tous les objets que vous jetez iront. Bah, on va prendre ça. Je suis désolé, mais moi je prends des. Je préfère donner des coups que les lancer en fait. Ok, il n'y a pas grand chose d'attractif dans le coin. Ah, la punaise à deux, quoi. On va prendre ça. Doing, doing. Vous êtes où les mecs? Waouh! Waouh! Ah bah il m'a poignardé dans le dos lui. Ouh là 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 là. Dur. J'ai l'impression qu'il y avait un bug sonore. Je sais pas si vous avez entendu. Alors, peut-être checker l'heure vite teuf. 17h17. Ça va. Merci à tous d'être venus à cette réunion. Tous obligatoires.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'être rejoints par le fondateur de Fuzon en personne. Ah, c'est lui. Il a une tête de. Aujourd'hui. Le fondateur. Le fondateur. Faites un accueil triomphal à Raymond Capao. Comment ça va, mec rockstar? Ouais, ouhou. Ça, c'est l'ambiance que j'adore. Vous pouvez m'appeler Ray, hein? On est tous potes ici. Comme vous le savez, Fuzzle Beverage a récemment été racheté par Cubicle, le leader mondial du machine learning et de la livraison par drone. Nous avons désormais plus d'argent que nous ne pouvons en dépenser. C'est le but ultime de tout entrepreneur. Shabam! Bezos. Mais ce serait du gâchis si on se reposait sur la supra-géniale technologie de Cubicle sans intégrer dans nos propres projets encore plus de supra-génialissime. Non. C'est sur cette note que je laisse la parole à notre assistante intelligente, donc notre AI. Avi. Ah, j'avais pas vu, elle est à côté. Yo, Avi, parle-nous donc du nouveau produit. Bonjour, les amis. Le temps n'est-il pas correct aujourd'hui? Après avoir testé plus de 10 milliards de scénarios dans mon univers modélisé, Cubicle officiel, j'ai déterminé la décision la plus judicieuse à prendre pour Fuzzle, avoir un indice de perspicacité de plus de 5,03. Raymond, roulement de tambour, s'il vous plaît. Voilà, donc il a fait. Je vous présente Fizgo, l'application compagnon de Fuzzle. En utilisant le cloud de données clients dernière génération de Cubicle, nos consommateurs pourraient suivre leur consommation de Fizzle, se faire recommander de nouveaux parfums et partager leur expérience sur Fizzle sur notre tout nouveau réseau social. L'enfer. Waouh, c'est absolument tout ce que je déteste. Yo, Avi, par pitié, dis-moi que tu n'as rien à voir dans le projet. Marv, qui est cette Grumpy Cat au fond, là-bas? C'est votre ingénieur logiciel en chef, monsieur. Eh bien, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. À partir d'aujourd'hui, la totalité de l'équipe de développement de Fizzle se concentre sur Fizzgo. C'est génial, non? Qu'est-ce qui ne te plaisait pas déjà? Vous vous fichez de moi! Alors là, écrit. Hein. Toute l'équipe! Ça tourne pas rond là-haut? Et qui va faire les maintenances du site internet? Ce qui n'est pas faux, hein. C'est ce qui arrive assez souvent en plus, apparemment. Ou de nos outils internet! Ce sont les roues qui tournent. Ce sont les roues qui tournent, chérie. Je suis certain que les programmeurs s'en sortiront. Non. C'est du boulot en plus. Avec tous les petits génies qu'il y a dans cette équipe, je suis sûr à 200% que vous allez rouler sur ce projet. Voilà, donc quelqu'un qui ne verra jamais le jour maintenant. Bien, quelqu'un d'autre a une question, de préférence, pas une totalement ridicule. Est-ce que ça va affecter les saveurs? Bien sûr que non, Fern. Je sais que les saveurs font ton bonheur, mon pote. Je ne pourrai jamais te retirer la gestion de ce qui te passionne. Donc, j'imagine qu'ils ont, en fait, ils ont créé la startup ensemble. Et un peu comme Steve Wozniak et comment il s'appelle l'autre là, l'Apple là. Et du coup, ils se battent un peu. Hein. Il y en a un qui est un peu pro marketing et l'autre qui est un peu. En fait, faut qu'on pense d'abord à ce qu'on fait, en fait. On dirait que tout va comme sur des roulettes. Allez, baboum, je vais vous distribuer des téléphones de la boîte pour que tout le monde puisse bêta-tester l'appli. Ce sera comme une super projet de groupe. Vous êtes une équipe, vous n'êtes pas censé faire tous vos projets en groupe? C'est l'idée, Jackie. Tout le monde aura un rôle à ce jour dans le développement de Faison Go. Les ingénieurs qui les refabriqueront et tous ceux qui donneront leur avis à toute heure de la journée sans qu'on leur demande. Oh yeah, mon frère! Je savais que j'avais choisi le chef de projet idéal. Je t'en taperais bien 5, mais je crois que j'ai chopé un truc, alors tu devrais l'imaginer. Sur ce, la réunion d'aujourd'hui est terminée. N'oubliez pas de checker la borne des employés pour voir les nouvelles tâches. N'oublie pas de checker ton arrière-train attends, pour retirer mon pied, Marv. C'est la joie. Faut que je retrouve le téléphone dans mon donjon. Et je peux parler à vie. Bonjour Avi. Alors c'est ça l'assistante intelligente dont tout le monde parle? T'as pas l'air si intelligente que ça. Ça fait combien 63 fois 40, 129? Quelle est la capitale de Neo Cascadia? Ouhou, il y a quelqu'un là-dedans? Oh! Elle est niveau 1. Je rigole, la blague.
Je l'ai jeté. On peut acheter ici. Il faut voir grand pour ou se faire petit. Le dernier coup avant qu'une arme se brise en fait plus de dégâts. C'est pas mal ça. Une réponse choquante en cas de dégâts. C'est pas mal aussi. Vous infligez plus de dégâts avec les objets lourds. Ok. Vous repoussez les ennemis plus loin et subissent des dégâts en heurtant les murs. C'est pas mal ça. Parce qu'il y a pas mal de murs à chaque fois. En fait, j'aime bien celui-ci. J'ai combien de niveaux? 53. On va prendre deux. Hein. On va prendre ça et. Ah, je peux pas acheter ça. Bon, du coup, on prend que ça. Tu as l'air si complètement. Tu as l'air complètement vanné, Jackie. Marv ne te fait pas bosser trop dur, au moins. C'est vrai que j'aurais bien besoin d'une pause. Vous avez un distributeur ou une fontaine à eau par ici? Non. Par contre, on a plein de fusils. Waouh, génial, trop bien. Du coup, je peux prendre ça là, ni vu ni connu. Il allait défoncer le patron. Vous êtes le fondateur de cette société, n'est-ce pas? Lui-même. Tu dois être notre nouvelle petite fonceuse. Ouais, la stagiaire. Ta génération a vraiment de la chance, tu sais. J'aurais tellement voulu qu'on commence à acquérir de l'expérience aussi jeune. Comme ça, je n'aurais peut-être pas fait faillite 3 fois avant de connaître le succès. C'est rude. Ça l'a été, oui. Mais la clé du jeu de la start-up, c'est la persévérance. Leçon 1, gamine. Ne jamais avoir peur d'emprunter de l'argent à ses parents. Et bam! Qui est prête pour une nouvelle mission? J'espère que toi, gamine. Je pense que je ne dirai pas non pour savoir comment vous gérez l'entreprise. Très bien. Leçon 1. Quand on te donne un boulot à faire, fais-le à la perfection. Et comme on fait ça, c'est simple, il ne faut faire aucune erreur. Montre-moi ce que tu sais faire, ma petite. Pas de souci. Vous vouliez que je fasse quoi déjà? Termine un boulot avec 5 étoiles. Ok? Faut faire la perfection. Sans se faire toucher, quoi. Bah, du coup, on a quoi en quête là? Toujours l'achat de café, finir le premier donjon, rouler sur une voiture avec ta voiture, hein, oui, ça. Ah là là. Et finir à la perfection. Du coup, bon, c'est pas possible, mais on va essayer. Je vais peut-être m'arrêter d'ici peu, je pourrais que je prenne un petit goûter. Ce serait cool. Allez, on s'équipe. Bah, du coup, on prend. Ah, mince, j'ai oublié. Bon, lui, on va le. Ah, mais j'ai rien d'autre. Mais je l'ai pas pris. Mais il a pas. Ah, c'est une masse à tête chercheuse que j'ai là. Ok. On va prendre ça en plus. Et je veux pas le tabouret en fait. On va prendre la raquette de ping-pong pour voir ce que ça donne. Et là c'est internet du coup. Carte vierge, une carte enchantée capable de capturer l'âme d'un ennemi et son historique professionnel complet. Ça sert à quoi? Ah, il y a des rames de papier. 7. Niveau 7 en rames de papier. Bah vas-y, on achète, hein. On va capturer quelqu'un. Pas eux, ils sont vraiment. Bon, la masse, c'est quand même efficace. Hein. Faut pas grand-chose, mais c'est efficace. Tout, 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 tout. Alors attendez, ça c'est combien déjà? Mais c'est ça, c'est plus. Ah oui, mais en fait, je l'utilise pas bien. Tant qu'il n'y a pas le clavier, moi je peux pas prendre ça. Ah, la raquette, attends. La raquette, elle est à tête chercheuse. Non, c'est pas ça. Voilà. 60. Wow, elle est là. Faudrait que je revienne ici, en fait. Je sais pas si je peux revenir vraiment sur mes pas à ce point-là. On verra ça tout à l'heure. C'est quoi ce crâne qui se balade?
Ok. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Ah bah tiens, il y a les Fraptus. Ça c'est bien ça. Les Fraptus c'est cool. Peut-être qu'on va changer cette masse là. Non mais cette masse là. Ah. Ah non mais. Attendez, attendez, parce que. On est d'accord, un gourdin à pointe c'est bien, c'est efficace. On est à 65. Attendez, attendez! On va revenir, on va voir si on peut racheter notre café. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on achète. Voilà, moi je vais acheter ça. Merci. Ceux qui ne distinguent pas la droite de leur gauche, ok. Bon là, et du coup, il y a un niveau. On va essayer de se faire. Il est parfait ou pas? Oui, c'est bon. Oh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouh là là. Je sens que ça va être compliqué. Je sens que ça va être compliqué. Contiennent un objet de plus, ouais, on s'en fiche du coup. Vos coups électrocutent, moi je veux ça. Ok. C'était quoi le truc là de où on est? Ah, le bruit il est insupportable. Bon, bah on va garder ça, hein. C'est pas mal, mais le bruit il est insupportable. Oh la nouvelle, ça cette compétence était bien aussi. Bon, on va garder ça parce que ça a l'air d'être efficace. Je sais pas combien de temps on peut le garder en plus. Si on peut le garder jusqu'au bout, moi ça me va. Hein. Si c'est un truc genre. Tu te balades avec ça en fait. Toum, 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 toum. Toum, 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 toum. Toum, 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 toum. Ouais, on l'a toujours. Bon, désolé, hein, supportez avec moi. Wow! Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est calmé tout de suite là. Qu'est-ce qui se passe? Envie d'économie, ne cherchez pas plus loin. Ah, attends, il y a celui-là. Il y a le frappe-frappe. Ah, il faut que je roule sur quelqu'un avec, donc déjà. Une petite réduction dans toutes les boutiques, ça c'est pas mal. Ouais, bon, on va prendre la réduction. Ah, elle m'énerve cette voiture, elle explose tout le temps. Ah mince. J'ai oublié mon tube-tube. Attends, juste une question. Genre, ce cube amélioré là, il y a quoi dedans? Bon, on s'en fiche, on veut le frog frog. Ah, donc là, il y a le vendeur là, de la mort. Pendant trois combats, vous devez continuer à avancer coûte que coûte. Ok, super, bon, salut.
Ça fait quand même du chill, hein. Tant qu'on arrive comme ça jusqu'au marchand, moi ça me va. Bon, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est parce que j'ai plus de vie. Voilà, attendez. On va faire d'abord l'autre. Parce qu'il y a des compétences là. Voilà. Ok. Moi je veux 3, hein. Je veux beaucoup, beaucoup de vie. On va faire le niveau comme ça. Ah bah tiens, lui on va le capturer. Je l'ai pas capturé? Ouh là là, je suis en train de prendre cher. Oh! Il est dur lui! Oh là là! Mince! Ah, j'ai acheté voilà, on a fait quand même deux boulots, c'est pas mal. Bon, après, c'est des trucs à augmenter au fur et à mesure, j'imagine. Du coup, on va essayer de le faire. J'ai une nouvelle palpitante, Jackie. Vous m'avez trouvé un poste en marketing? Non. Un nouveau donjon vient de s'ouvrir. Super, merci. On l'a pas fini, surtout. Le premier. Tu peux entendre les chants démoniaques qui s'élèvent des profondeurs. C'est ça la nouvelle palpitante? Je croyais que vous vouliez que ces choses ne reviennent jamais. C'est vrai que c'est pas faux cette histoire. Je crois qu'on va s'arrêter là vu qu'il y a le deuxième niveau. On va aller acheter des trucs pour se parfaire et après on va s'arrêter là. Oui, mais voilà, j'ai dit une nouvelle palpitante, pas forcément bonne. C'est vrai que c'est compliqué là. C'est compliqué si tu commences à jouer sur les mots comme ça. Mais bon, d'accord. Enfin bref, tu es désormais le centre de. Tu as vraiment le choix entre deux donjons à explorer et ton autonomie dans ce bureau n'a jamais été aussi grande. Je suis très content. Très 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 contente. Oh waouh, je ne sais pas trop lequel attaquer en premier. Je pense que le premier, hein, c'est bien. Ils ont tous l'air tellement dangereux. Géniaux. Et on dit que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne font que dans le cynisme et le sarcasme. Amuse-toi bien, Jackie. Ben merci, hein, écoute. Alors attendez, parce que je rigole. On me dit que j'ai pas lancé le live, quoi? Je suis en live, mec, pourquoi tu me dis ça? Trop bizarre. Amuse-toi bien, Jackie, je suis fier de toi. Que Fizzle soit fier de toi. Donc du coup on va faire ça. Moi je vais essayer de vous informer du coup en même temps. Voilà, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais juste mettre justement le truc en chat pour pouvoir que je puisse vous partager en même temps les choses. Et là le chat il peut pas se connecter. Ça va Jackie, tu prends les marques? Oui ça va, ça irait mieux si j'étais payé. C'est clair, c'est dégueulasse la façon dont ils traitent les jeunes diplômés dans ce milieu. T'es comptable je crois. Mais tout ce que tu peux faire, c'est de tirer au mieux profit de cette situ de tout ça. De tout. Il y a plein de façons de faire des économies, comme sauter un repas deux fois par semaine, ou récupérer la monnaie tombée par terre dans les bureaux. Ah, et surtout, en n'étant jamais malade. Ramasser la monnaie par terre, il n'y en a pas, il y en a vraiment. Bien sûr, c'est ce que je faisais moi dans ma période post-fac. Quand tu vas et viens, n'oublie jamais de scruter le sol. Tu pourrais être surprise de ce que tu y trouves. Quand tu vas et viens, n'oublie pas, mais jamais de scruter les scots, tu l'as déjà dit. Deux fois. Compliqué. Hein. Et voilà. Mais pourquoi on a tout le monde là? Et voilà ma petite rockstar, je savais que je pouvais compter sur toi. Je pense qu'on est devenu star. C'est pour ça qu'on a tout le monde. Je comprends pas. On veut pas se connecter sur mon chat. Je l'ai fait avec plaisir, vraiment. Donc j'ai prévu une petite récompense pour toi. Prends la carte de l'entreprise, offre-toi quelque chose avec. Un, ce n'est pas totalement irresponsable. Rien de ce que je fais n'est irresponsable, jeune fille. Je suis le responsable à bord ici. Prends-la avant que je change d'avis. Une opportunité pareille, ça n'arrivera pas tous les jours. Ok. Merci, monsieur.
Quand vous équipez tapis, vous gagnez plus d'argent dans le donjon, c'est bien. Quand vous équipez Ray, vous pouvez utiliser sa carte entreprise pour acheter des choses hors de votre de vos moyens. Bon, on va. Alors tout de suite, on va essayer. On va essayer tout de suite. Tuteur. On va prendre Ray. Ah bon, on a presque tout débloqué tout le monde, hein, presque. Du coup, il y a des choses qui sont moins chères, hein? Non. Tiens, il y a Lay. Bonjour Lay. Ah oui, c'est vrai. Yo Avi, c'est quoi toutes ces choses sur le démarrage de l'assistance intelligente? Dans le cadre de l'action pour apprentis appauvris de Cubicle, nous vous fournissons de nombreuses opportunités d'apprentissage pour vous donner les moyens de devenir une jeune entrepreneuse. Au cours de vos activités en tant que stagiaire, vous avez peut-être remarqué que vous avez gagné des sympathiques petits jetons nommés Cubic. En dépensant vos qubits, ici, vous aurez accès à la vaste bibliothèque de cours faciles à comprendre. Cubicle de la bibliothèque Cubel de cours faciles à comprendre sur l'entrepreneuriat et le leadership. Dépenser des qubits pour apprendre les compétences, c'est noté. Mais ça, on l'a déjà fait en fait. T'as un truc à me dire? Ah oui, parfait, leçon numéro 2. Quand tu rencontres un obstacle, tu dois le frapper et le transpercer. L'obstacle est trop solide? Pour tes points, frappe-le quand même. Tes points vont guérir et deviendront plus résistants. Reviens quand tu auras parfaitement assimilé cette leçon. Amuse-toi bien, Rockstar. Me servir uniquement de mes points, ça devrait être faisable. Ça, on peut essayer. Ça, on peut essayer. On peut le faire maintenant. Tu aimes les films de Ninja Jackie? Je peux pas dire que j'en ai vu beaucoup. Moi, j'adore ça. Il y a quelque chose de mystique là-dedans et qui me parle. Il n'y a qu'une chose qui me plaît plus qu'un bon film de ninja, ce sont les films de cow-boy. L'une des plus grandes tragédies de l'histoire, c'est que les ninjas et les cow-boys n'ont jamais coexisté dans la même région. Tu n'es pas d'accord? Aïe aïe aïe. Salut. Ça va? Tapis? Ça va. J'ai passé la nuit à refaire le budget après que Ray ait acheté 200 t-shirts avec le logo Fizzle pour un shooting photo. Mais oui, ça va. La clim, ça sert à rien de toute façon, pas vrai? T'es au bout de ta vie. Ouais, je comprends. Et le stagiaire, tu as un téléphone, hein? Je suis encore en vie, non? Juste pour vérifier. Tu sais du point de vue de votre du point de vue sécurité, tout ce que je peux te conseiller, c'est de jeter ce machin tout de suite. Tu as au moins 5 gouvernements différents qui t'espionnent à chaque fois que tu envoies un texto à ta chérie avec ce bout de plastique bourré de mouchards. Je ne vais pas jeter mon portable. Je simplement parce que tu me le conseilles. Je ne te connais pas. Je ne te connais à peine. Je vais te dire, va donc utiliser ton portable dans le donjon pendant un moment, histoire que je lance quelques diagnostics et je vais te corriger ces failles de sécurité avant d'avoir eu le temps de dire c'est IA. Ok. Bonjour le chien. Bon, on va essayer de faire les coups à la main. Hein. Il y a Marette aussi, c'est bon, on n'a pas tout volé encore. Je voudrais pas te vexer. Tu veux sortir après le boulot, baby? Je voudrais pas te vexer, Marette, mais je crois pas qu'on ait grand-chose en commun. Je sais comment monter sur le balcon. On pourrait essayer de cracher sur les voitures de Marv de là-haut. Bizarrement, ça me tenterait plutôt bien. Peut-être une autre fois. Comme tu veux, baby. T'es lourd avec ton baby, waouh! Fatigue. Bon, allez, on fait Badi monstre à la main et on essaie d'installer des applis. On fait la dernière et après c'est fini. Parce qu'on faut pas abuser non plus. Hein. Il y a des bonnes choses. Bon, alors, apparemment, je peux pas me connecter à mon propre chat, c'est magnifique. Avec mon propre téléphone, c'est abusé. Bon, alors du coup, toujours nos préférés cactus. Et on prend le 4. Ah oui, non, mais du coup, faut le jeter. Mieux, faut qu'on l'a. Attends. Voilà. Fallait juste finir, donc je sais pas pourquoi j'ai commencé à. Avant ça, la tasse, elle est pas télétransportante, là. Mince. J'aurais pas dû faire ça. Mince. C'est pas Manu, ça. Je vais mourir, hein.
Voilà, deux à main nue, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. On revient ici, on repasse là. Et là, il y avait des trucs en fait que j'ai ouvert, mais que je suis pas allé voir. Ah oui, c'est moins cher du coup. J'étais obligé d'acheter ça. Et ça, c'est quoi ça? Vous gagnez 10 qubits, ok. Je peux changer, non? Ou pas? On va regarder. Je peux pas changer. Attends. Ah mince, je l'ai fini. Dommage. Pour les démons de la drague, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Ah oui, c'est le pins. Ok. Bon, j'imagine que le côté pins, ça veut dire qu'il y a des armes ici. Ah oui. Prenez des dégâts, les ennemis proches tombent à l'envers. Voilà, on va prendre ça. Ah oui, c'est en fait on paye les trucs qui vont apparaître. Ah, ça c'est pas mal ça. C'est pas mal. Du coup, ça veut dire que je peux avoir mon truc là de. Du coup, il faut que je prépare mon attaque. Qu'est-ce qu'il y a dans le truc? On va prendre ça. Parce qu'il risque d'y avoir du monde là. Oh, je l'ai tué, mince. Lui, il est fini. Ah oui, d'accord, ça se joue en game. Les applications, ça se joue en game. Ok. Je comprends mieux. Donc là, il y a des trucs. Je peux prendre de la bouffe. Il y a ça. Ok, ça se joue au moment où je peux attaquer des gens. D'accord. Là, je peux payer une carte vierge capable de capturer l'âme d'un ennemi et son historique professionnel complet. Oui, mais là, si je paye maintenant, je n'ai plus rien en fait. Bon, c'est pas grave. À la main, encore. J'aurais dû utiliser ça aussi. Ok. Cubicle fois 2, c'est bien. C'est bien. Ah oui, d'accord. Oh non, je taille. Oh là là, mince. C'était peu. C'était peu. Mais j'ai bien avancé, je crois. Ah oui, 10 applis, j'en ai fait que 2. Et j'ai tué combien de personnes? Une! À main nue! Ah, c'est totalement à main nue! Oh là là, c'est du. C'est du. Bon, voilà. On va s'arrêter là de toute façon, je pense que c'est bien. Salut toi! C'est un peu bavard. Salut, on dirait que t'as eu pas mal de boulot ces derniers temps, on peut dire ça comme ça. Tu as déjà pensé à travailler depuis chez toi quelques jours par semaine? En ces temps troublés, c'est un peu plus courant. Quoi?
Je ne peux pas attaquer un donjon depuis chez moi. Vous savez en quoi consiste mon boulot, moi? Écoute, gamine, je suis en train de te proposer de faire un break, ok? Tout le monde sait que télétravail est un code pour dire commander à emporter et regarder la télé. Alors, c'est Covid style en ce moment, donc je sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est donc ça? Je pensais que ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas eu une journée tranquille. Il y aura toujours plein de monstres à tuer quand tu reviendras. Alors, c'est parti, direction la sortie, puis ta maison. Haha, ouais, ma maison. Donc du coup, c'est bien, ça veut dire qu'on finit sur ça. Sortez par le portail pour faire une pause à la maison. Bah c'est bien, on va faire une pause là. C'est parfait. On va acheter un truc par contre. Vous repoussez les ennemis plus loin et subissent plus de dégâts, c'est pas mal. Une réponse choquante en cas de dégâts, ça c'est archi bien. Et du coup, on va acheter ça. Il faut voir grand ou se faire petit. On va acheter ça. Et on va faire une pause ici. On peut changer de frame. Toum, toum, toum. Trop bien, il y en a 11. Ouh là là, beaucoup de choses à faire. Alors vous voyez le I am very small on have no money. Alors attendez, c'est exactement pour ça que j'ai pris Scrabble. On va se poser bien. Voilà, hop. On va s'arrêter là. Et regardez bien. Hop. Petite capture d'écran. Ni vu ni connu. Alors attention, je déplace un peu. Voilà. Et on va se le garder ici. C'était fait exprès. Je me doutais qu'il allait y avoir des trucs assez rigolos. Voilà. Et là, elle lit. Elle est sur son téléphone. Oh, c'est trop bien. Alors attends, on va la laisser ici. Et je vais pas bouger. On peut pas monter sur le lit, hein. D'ailleurs, non. Pas interagir là. Ok. Alors, je vais tout remettre comme c'était avant. Je vais essayer de voir si on peut garder le truc intact. Alors, il y a la petite marque Agro Crab aussi. Alors, du coup, c'est un peu dommage parce que le son, du coup, il se bloque. Je sais pas si on peut le changer dans les paramètres. Parce que ce serait bien qu'il continue le jeu, même quand je suis. Dommage. Alors, attendez. Je vais vous faire du coup. Alors, la fin. Je pense que de toute façon, là, c'est pas mal. On a bien avancé. Il y a la petite image en plus que j'ai rajoutée en haut. Bon, il y a eu des problèmes aujourd'hui, mais j'espère que vous avez bien aimé quand même regarder Going Under. Je pense qu'on va continuer. Je pense qu'on va le finir. Ça a l'air vachement bien, mais très long quand même. J'avais parlé de Monster Hunter. J'avais parlé de faire Monster Hunter, je pense que ça va être à peu près le même temps. Enfin, peut-être un peu plus court, sans doute plus court même. Et voilà, on a eu plus de mal sur Vandals parce qu'il y a eu des problèmes avec Vandals. Je vais essayer de remettre du coup toute la tête que nous avions en premier lieu, c'est-à-dire ça. Ah, c'était pas du tout ça. Sais pas pourquoi ça s'est affiché en plein écran. Capture audio, on bouge pas, ça c'est bon, et ça c'est. Voilà, ça c'est ça. Et hop, je voulais adapter à l'écran ceci. Voilà. Comme ça, on remet tout à zéro. Je vais vous mettre les infos aussi. Bam. Et l'heure. Il est 17h52, je pense que c'est bien, on a fini. Je vais vous faire des bisous. On va s'arrêter là. Et sur cette petite musique, je tiens à vous dire quand même d'aller voir du coup Petit Cancanou ce week-end, ça sera du Last of Us. Je vais essayer de mettre ça dans le chat, mais j'ai l'impression que mon téléphone ne veut pas se mettre tout de suite dessus. Du coup, je sais pas pourquoi. Twitch déconne, hein. Entre mon OBS et Twitch, là c'est compliqué.
Alors, je veux juste mon chat, si c'est possible. Est-ce possible? Avoir accès à mon chat. Voilà. Donc, du coup, pour avoir la possibilité d'aller voir Petit Cancanou, il suffit juste de taper Petit Cancan. Donc là, je le fais à distance pour éviter d'avoir le son en moins, vous allez voir. Voilà, Petit Cancan qui est du coup là. Sinon, il y a aussi Histoire Crépue qui continue, du coup, en ce moment, en plus, à faire sa série qui est sur... il regarde une série en ce moment sur qui s'appelle Top Radio pour pouvoir passer affilié. Donc c'est tous les jours à 11h, mais principalement la revue de presse des Coloniales que je vous conseille aussi, c'est surtout vendredi à 19h. Donc pour Petit Cancanou, c'était mardi à 20h, 19h, je sais plus, 20h. Bon, regardez, de toute façon c'est toujours les mêmes heures aussi, c'est entre 19h et 20h. Et je crois que c'est 19h. Pareil, j'ai vu qu'il y avait Daily Jab donc qui est assez souvent en live. J'ai bugué de ouf. Voilà. N'hésitez pas du coup à checker tout ça. Il y a le Twitter qui est toujours actif, qui d'ailleurs va être mis à jour. Il y a YouTube, Jet Set Radio 3 qui est arrivé aujourd'hui à midi, et donc la semaine prochaine le 4, donc dans 2 semaines normalement on passe à Picounicou, et du coup on se retrouve nous pour finir Vandals et Going Under la semaine prochaine à 21, à 21, à 14h et du coup jeudi à 21h pour Chronologie des femmes artistes. Voilà, je vous fais des bisous et à plus. Voilà, j'espère que le son fonctionnera jusqu'à la fin. C'était pour la vidéo YouTube. On va essayer de finir bien quand même. Cam Chipstream, on bloque. Voilà. J'ai caché Scrab, j'ai mis l'heure, c'est bon. Des bisous, des bisous, des bisous. J'espère que vous avez bien apprécié Going Under, parce que je trouve que c'est vachement cool à jouer. Je vais essayer de régler les problèmes de son, et en fait, c'est surtout que j'ai l'impression qu'il sauvegarde jamais ce que je fais. Et pourtant, le son, j'y ai pas touché, quoi. Donc, ça m'énerve. Et là, ça s'est passé dans le rouge, je sais pas pourquoi. Merci. Donc, je vais vous laisser sur ça. Et des bisous. Des bisous. Je vais vous dire au revoir. À plus. Petit cœur dans le chat après.
Thank you.